Bonjour à tous, je suis MDG de Normandie et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de MDJ Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, on va parler Bleach et d'une théorie qui m'est venue à l'esprit. Yachiru serait-elle une wizard? Pour ceux qui ne le sauraient pas, Yachiru est la vice-capitaine de la 11e division. Elle a l'apparence d'une petite fille aux cheveux roses et accompagne toujours Saraki Kenpachi, le capitaine de la 11e division. Je me présente, Yachiru Kosajishi. C'est moi la vice-capitaine de la 11e division. Très heureuse de vous connaître. Il y a plusieurs choses troublantes vis-à-vis de Yachiru. Premièrement, c'est la seule vice-capitaine que l'on ne voit jamais combattre, alors qu'en tant que vice-capitaine, elle est censée avoir une puissance au combat significative. La théorie comme quoi Yachiru serait une wizard m'est venue pendant l'arc de l'invasion du Seireitei. En effet, durant cet arc, Kagerosa explique qu'il n'a pas pu copier Ichigo à cause de ses pouvoirs de holo. Mais en revisionnant l'arc, je me suis également rendu compte qu'il n'y avait pas de copie de Yachiru. Pourquoi ? Est-ce que Yachiru serait-elle aussi une wizard ? Plusieurs autres faits troublants pourraient nous le faire penser. Premièrement, dans l'épisode 315, vers la 16e minute, on voit Yachiru prêt à dégainer son sabre face à un Shinigami qui serait en réalité un holo. Elle semble sûre d'elle et donc cela nous certifie qu'elle sait se battre. Secondement, dans l'épisode 36, à 13 minutes 30, il se passe quelque chose de particulier. Ichigo est face à Zaraki, ils sont prêts à s'affronter. Mais Yachiru saute du dos de Zaraki pour se poser sur l'épaule d'Ichigo. Ichigo ne voit rien venir, alors qu'il a affronté des vice-capitaines précédemment. Malgré la pression spirituelle de Zaraki, il aurait dû sentir la pression spirituelle de Yachiru et encore moins se laisser surprendre de cette manière. Ichigo le dira lui-même. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas ordinaire. Troisièmement, avançons juste de trois épisodes. À l'épisode 39, vers 17 minutes, un messager vient apporter un message à Yachiru alors que Zaraki est en plein combat contre Ichigo. Regardez bien la forme de la pression spirituelle qui se dégage d'elle lorsqu'elle s'énerve. À présent, sautons à l'épisode 236. Vers la 17e minute également, on peut y voir Ichigo affronter Zangetsu avec ses pouvoirs de holo. Encore une fois, regardez bien la forme de la pression spirituelle d'Ichigo. Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine similitude? Moi, je trouve ça plutôt perturbant. À ce stade, on pourrait penser que Yachiru est une wizard cachée. Seulement voilà, j'ai fait des recherches et je me suis fait spoiler la guerre sanglante de Milan. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à arrêter cette vidéo ici et de penser ce que vous voulez de cette théorie et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui sont restés et que ça ne dérange pas de se faire spoiler, voici la vérité. Dans la guerre sanglante de Milan, on apprend qu'en réalité, Yachiru est le Zanpakuto de Zaraki. Et en effet, cela explique beaucoup de choses. Premièrement, si Yachiru est réellement le Zanpakuto de Zaraki, ça explique pourquoi Muramasa n'a pas pu prendre le contrôle du Zanpakuto de Zaraki. Ensuite, ça explique que Yachiru n'ait pas pu être copié par Kagerosa. En effet, en visionnant la série, je me suis également rendu compte que le commandant Yamamoto n'avait pas non plus été copié. Certainement parce que sa puissance est trop grande et que Yachiru étant elle-même un Zanpakuto, donc d'une puissance extrêmement pure, elle n'a pas pu être copiée. Cela explique également que Ichigo n'ait pas senti sa présence avant qu'elle saute sur son épaule, étant donné qu'il n'avait jamais rencontré de Zanpakuto incarné. Cependant, cela est à prendre avec des pincettes, car en effet, il faut savoir quelque chose. En fait, le manga papier de Bleach devait contenir 3 chapitres de plus à l'origine. Cependant, dû à un contrat qu'a signé Tikubo avec les producteurs, il a dû résumer la fin de l'histoire en un seul chapitre, ce qui a donné lieu à des raccourcis scénaristiques qui expliquent que beaucoup de gens soient déçus de la fin de Bleach. Il est donc bien
possible qu'à l'origine, Yoichiru avait été prévu pour être une visarde cachée, et non être le Zanpakuto incarné de Zaraki. Sans compter que cette explication a un sérieux problème. Pourquoi le Zanpakuto de Yoichiru ne ressemble pas du tout au Zanpakuto de Kenpachi? Sur ce, j'espère que cette théorie sur Yoichiru vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas, le plus important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. À bientôt.